Bon là les gars, comme vous pouvez le voir, c'est le début de la vidéo, j'arrive pas à parler. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le circuit il est pas mal endommagé parce que il a plu pendant au moins une heure et demie. Donc du coup, bah, j'espère qu'il va faire beau maintenant parce que en vrai, s'il fait beau cette nuit et demain pendant toute la journée, le terrain il va être bien. Il n'y a aucun problème. Mais par contre, ils annoncent pas ça du tout. Hein. Ils annoncent de la pluie toute la nuit et demain après-midi. Donc bah, j'espère que ça va pas se faire comme ça. Là. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Parce que il est assez beau. Donc bah voilà. Je vous laisse sur la suite. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, hein, il a vraiment beaucoup plu. Donc là, on a le terrain. Là, c'est vraiment le terrain. Et là, ça a l'air d'être vraiment super beau. Je pense vraiment que ça va être chaud demain. Limite, j'ai envie qu'il pleuve. Comme ça, la course elle est annulée. Comme ça, on n'en parle plus. Mais s'il fait beau, ça devrait bien sécher. Ça devrait être parfait. Voilà ce qu'il faut manger un soir de course. Des pâtes et tout, ça donne vraiment de la force. Du coup, il a arrêté de pleuvoir en espérant que ça sèche cette nuit et que ça repleuve pas. Parce que sinon, ça va être gadou quoi. De toute façon, là, c'est déjà bien boueux à mon avis. Demain matin, dans tous les cas, ça va être bien boueux. Mais s'il pleut cette nuit, après, ça va vraiment être l'enfer. J'espère que ça va se maintenir comme ça, qu'il va faire beau. Pour que bah, la vidéo soit au top du top quoi. Donc bah, on se retrouve demain avant les essais chrono et les essais libres. Donc bah voilà.
Bon, là, le stress qui monte. Juste avant la première course, je commence à avoir peur. Du départ, de comment la manche va se passer. Mais heureusement, la piste, elle a bien séché par rapport au matin. Et du coup, je vais tout faire pour terminer à la meilleure place possible, même s'il n'y a rien qui va se passer comme prévu. Donc voilà.
c'est la pause du midi. Je viens de faire les chronos et la première manche. Et chrono, j'ai terminé 39 sur 46. Et première manche, j'ai fait un mauvais départ. J'ai été renfermé après et j'ai terminé dans les derniers. Donc je suis pas super content de moi, mais bon, je vais essayer de me rattraper à la deuxième et à la troisième manche. Et là, on va aller faire un tour de. Je mange et ensuite je vais faire un tour de terrain avec mes potes. Et puis voilà. Je suis revenu de ma deuxième manche. Je fais encore une pas très bonne manche. Mauvais départ en fait. J'essaye de faire une technique vu que je suis en deuxième grille. Et je suis jamais parti en deuxième grille. Donc du coup c'est un petit stress supplémentaire. En gros j'essaye de partir derrière. Et vu que c'est un virage qui est pas du tout large, le premier virage, et je croise des doigts pour qu'il y ait tout le monde qui tombe sur le côté. Et que moi je puisse passer à l'intérieur. Sauf que ça se passe pas tout le temps comme prévu. Et du coup je fais des mauvais départs, tout ça. Après je roule bien,
C'est sûr que je roule bien, mais le niveau est super élevé. Il y a vraiment du gros niveau. Et du coup, là, je vais aller m'habiller et puis je vais partir pour ma dernière manche. Donc je vais refaire pareil, je vais vraiment pas prendre de risques. Je vais refaire un départ à l'arrêt. Et puis voilà. Je vais refaire un départ à l'arrêt et puis je vais rouler comme je sais faire. Je vous laisse sur la fin de la vidéo, la dernière manche, en espérant faire mieux que les deux premières.
Bon voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé le concept de faire des courses en vidéo YouTube. Moi je suis content parce que j'ai super bien roulé. Bah je trouvais que j'ai encore progressé, que j'ai bien roulé. Après je suis moins content de ma place parce que à la troisième manche je fais 37ème. Mais 37ème sur 46. Je suis assez content, surtout que le niveau il était super relevé. Il y avait des mecs du France et tout. Donc bonne journée dans l'ensemble. J'aurais pu faire mieux, largement mieux. Genre dans le top 30, ça aurait été largement possible. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, si vous avez kiffé, abonnez-vous, likez, partagez. Et puis lâchez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et puis bah, moi, je rentre chez moi. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood?